Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur X-Rouge TV, ici Chupito pour vous présenter le mode zombie de Black Ops 2 sur Nocturne. C'est Non, moi. je déconne, c'est X-Rouge aussi. Bon voilà, ça y est, il a eu son intro, il est content. Ah. Bon, ben salut tout le monde et. Ah bah, vas-y, NT. Ouais, je casse les couilles aux gens déjà. Voilà. Donc, nous sommes trois pour vous présenter le mode zombie Nuketown de Black Ops 2. Je Les gens suis en descendent. compagnie de Chupito, écran 2 ou 3, toi, tu es? 3, il est. Moi, je suis 3. Ok, Je et fais de des sous-sous Night avec Terror, toi. l'habitué de mes vidéos zombies que j'invite à chaque fois. Bonjour à vous deux, les garçons. Et moi. Coucou. Bon. Qu'est-ce Maison Maison? Caisse Maison Maison, là-bas. Oui, donc voilà, on va avoir deux, trois petites, comment dire, des abréviations pour vous dire, voilà, le côté de maison, vous voyez sur la boîte aux lettres, il s'agit de Woods d'un côté, Maison de l'autre, donc voilà, c'est pour avoir quelques plans, quelques repères pendant la vidéo, et ça commence à arriver du côté de Barrière Nord. Enfin, ça arrive, moi je prends toujours les zombies en dernier, c'est craqué, ils viennent pas vers moi. Je dois C'est pas vrai que assez toi, sentir le t'as pas eu pâté. beaucoup de chiens. En même temps, vague 1, il n'y a pas énormément de zombies. Enfin. Ouais, mais justement, moi j'ai zéro sou du coup, vague 1. Vous voyez, Ah ouais. oui. C'est vrai que Chobito n'a jamais eu trop de chance dans le monde zombie. Et j'espère que ça va encore être pareil. Mais sur les caisses, moi je chope tout ce qui est sniper, RPG, lance-grenade, couteau de Alors que lancer. c'est plutôt le kiff de Night Terror de jouer avec des armes un petit peu useless. Quoi. Bon, mon kiff, c'est de pas me faire buter déjà. C'est un bon kiff, c'est un bon kiff. Bon, alors voilà, nous allons du coup. On est déjà vague 2. On va devoir aller directement à la maison côté Maison. La première porte coûte 750 à l'ouverture et la seconde 1000. On va attendre d'avoir quand même un petit peu de sous avant de commencer à ouvrir, n'est-ce pas? Et que dire donc? La dernière fois qu'on avait fait un mode zombie, c'était toi et moi. NT sur lequel d'ailleurs. Je sais même plus. Ah si, transit. Ah voilà, sur transit, c'est vrai, on était à la boue. Ah Ouais, après j'étais revenu sur un autre mode zombie, encore transit, accompagné de Actors, un petit coucou à toi, voilà. Ce n'est que la deuxième fois que tu joues à Nuketown, toi, NT. Tout à fait. Et la première fois, c'était. Il y a une heure. Voilà. Et toi, Choupi, bon, on a l'habitude de jouer ensemble maintenant sur Nuketown depuis un petit moment. Oui, on a l'habitude, mais ça veut pas dire vraiment que je suis bon quand même. Allez, là, c'est bon. J'irai pas jusque-là. Mais n'empêche, le mec qui vient s'entraîner pendant une heure là, faire des parties perso tout seul. Franchement, non, mais c'est mais bon. Vois les deux Là, premières t'es chaud. Non, mais t'es chaud là. Vois les C'est deux premières parties perso que j'ai fait, j'ai même pas fait une vague. Bon, sachant que j'ai commencé vague 10, hein, je tiens à le Voilà. préciser. Mais il faut savoir que, attends, c'est une exclusivité, c'est la première fois que tu fais un gameplay avec nous et pas que tu Non, sur commentes. FIFA. Sur FIFA, tu as joué. Oh oui, contre Ah ouais, mais la Florentine. vidéo n'a pas été publiée, je crois. Si, il y en a une des deux et une autre que j'ai D'accord, on peut regardée. l'ouvrir parce que j'ai plus de balles en fait. Du coup, Ouais. c'est ultra chiant. Non, mais ça Et va, t'as vu comment tu changes de conversation, ça va, c'est comment compliqué. comment C'est on honteux, commence à non ouvrir mais. d'ailleurs. Vas-y, ouvre la première. Pour l'instant, je l'ai tué. Oh, cut! Meurs, dépôt de Satan. Suppôt de Satan. Ouais, quand du ça coup, va c'est pas bien, mal aussi, non, hein. quand ça va bien profond après. Bon, bref, c'est souvent la merde. Bref. Non, mais les blagues pourries, si tu nous invites et que c'est pas nous qui les faisons, ça sert à rien. D'accord, Black ok. Cicato, là, ça va aller. Ah, instant kill, les gars. Oh putain, Ah, je sais je pas vais. mourir, vague 3. C'est mon truc en général de mourir dans les premières vagues. J'ai ouvert la première porte maintenant, voilà, si vous voulez. Moi, je suis encore un peu perdu quand même, j'ai pas trop mes repères. Ah, bouge! Bon, ça va, heureusement qu'elle est petite. Vas-y, ben, rentre C'était dans la bête, maison comme ma côté. vie. Ah putain, je viens de la faire cette blague. Sauf que d'un coup, c'était un Allez, regardez bien ce que je vais prendre, non, ça va être tout pourri. Hein. Allez, si t'as la M27, t'es content. Voilà! Non, Allez, on pas est content! Moi. Faut le DSR. Attends. C'est qui l'a fait? C'est moi. Attends. Oh bon, Ah non, c'est toi! Ah, mais non, putain! Vas-y, et lui, il piste le laser, là, un bon truc là. Voyons. Bon, les gars, là, on est équipés, là. On est tous équipés comme des pros, là. Oh putain! Non, mais... Ah, c'est pas grave, oh, il est truqué ton jeu. C'est cool. Bon, enfin bref. Oui, voilà, je reprécise à chaque fois qu'on me citera mon prénom en manière de garder l'identité, je mets un bip devant mon prénom si on ne cite pas X-Rouge. Enfin bref, X-Rouge, oui, tu vas voir ton lance-roquette, c'est juste génial. Il faut qu'il soit, mais genre à 100 mètres pour que la grenade explose. Mais regarde, ouais, ça y est, je l'ai tué. Ouais, mais elles explosent genre une heure après quoi. C'est très 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 utile. Moi j'attends qu'une chose là, c'est d'avoir ces putains de portes d'ailleurs. C'est aïe. Oh, mais vous êtes fous les gars. Ah, les gars, je suis mort. Putain! Je me suis fait péter avec mes grenades! C'était sûr ça, mon gars! Attendez, s'il vous plaît, aidez-moi! Putain, mais cette partie, je tiens à dire qu'elle part très très mal!
Non, elle part bien. Non, mais les gars, regardez, mine. Oh, la nuke. On a tous des bonnes armes. Non, mais mine de rien, on est déjà. Ah, c'est le Barrette. C'est bon, j'ai rien à dire. Moi, je veux le DSR. Putain, qui c'est qui a lancé la caisse? Il y a le DSR en moi. C'est moi. Mais le DSR, oui, je crois qu'il y a. Oh, yeah, j'ai un piton. Oh, bah, ça va, le piton, il est safe, quoi. Surtout quand moi, j'avais un DSR. Surtout qu'on a le double tap. Je veux un dessert là. On a le double tap. Tu veux un dessert? Ouais, je viens de le manger. Putain. Oh, le pistolet laser. Blague de merde. Oh là 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 là. Bonjour madame. Alors on l'avait pas entendu les gars, il y a le Juggernaut qui vient de tomber. Donc. On s'est bien, on s'est beaucoup fait chier quand même pour pas entendre les atouts tomber. Ouais, côté Woods. Non mais oui. Arrêtez de me dire ça les gars, mais vous croyez vraiment que j'ai déjà retenu qu'est-ce qui était. Oui, alors mais là, regarde où je suis. Ouais, de toute façon, je passais. Oui, c'est 2500. Coucou la top. Oui, donc voilà, je précise ce que Choupi a dit. Oui, on se fait beaucoup chier au niveau du son, oui, parce que pour enregistrer vocalement, voilà, vu que c'est avec un PVR qu'on enregistre, on a énormément baissé le son de la télé pour pouvoir entendre que nos voix et qu'il n'y ait pas de doublure au niveau sonore. Trois tirs dans la tête pour les tuer, c'est vraiment de la merde ça. Ah non, mais c'est un truc de fou. Eh les gars, attendez. Reloader. C'est la première fois que je joue au sniper. T'as quoi? Ah, le Barrette. Le Barrette cale 50. Par contre, franchement, si je chope le DSR, je suis content. Donc toi, ton objectif, c'est d'avoir... Mais attends, je sais plus. Mon objectif, c'est d'avoir le DSR et d'essayer de survivre le plus longtemps possible avec. Il y a quelqu'un qui va t'attaquer. No scope. J'ai raté. Non, c'est quoi? On est pas 5, on commence à faire n'importe quoi. L'écran 2, c'est quoi? Mais c'est non. Toi, NT, mais tu peux t'acheter le Jugger. Oui, bien. Je sais. Mais moi, j'en veux pas du Jugger, donc je veux une vraie arme. Non, mais on parle pas à toi, on parle à moi là. Toi, t'as pas assez de sous. Non, moi, ça, t'as 170, mais c'est parce que je viens de faire une caisse. Non, mais c'est pas notre faute si tu vis dans une caisse avec 170 dollars. Oh, putain de merde. Oh, putain, ces armes de merde. Mais c'est abusé, c'est quoi ça? Mais avouez quand même que j'essaie de lui lancer la tête, mais ça. Aïe. J'essaie de lui lancer la tête, mais ça marche pas non plus. En fait, le seul truc qui marche avec ça, c'est quand la grenade rebondit et qu'elle t'arrive dans les pieds, en fait. Ça marche. Ouais. Ça marche très très bien, je trouve. C'est l'arme de l'autokill. Oh, bon, mais la arme. Oh, putain, mais je suis trop con, je cours vers mes grenades, moi. C'est un concept. Bon, j'en sors mon pistolet lightning. C'est un concept. Là, on fait les cons parce qu'on est vaccin, mais les gars, dans Divac, on rigolera beaucoup moins. Hein. À vrai dire, on est trois, donc vous savez tous qu'en fonction du nombre de joueurs qu'on est, la difficulté s'intensifie, le nombre de zombies augmente, de façon à ce qu'ils soient supérieurs numériquement à nous, donc ça c'est pas très compliqué. Est-ce qu'un atout est tombé aussi ailleurs parce que... En fait on n'entend rien, je sais même pas pourquoi on a laissé le son. On n'entend rien, alors en haut il n'y a rien qui est tombé, et moi par curiosité j'ai envie d'aller voir derrière la porte, mais je viens de remarquer comme un bouchon que je n'ai que 130 et pas 750 pour ouvrir, c'est magnifique. Moi je veux rien dire, c'est incroyable. Mais c'est vraiment assez c'est incroyable. C'est impressionnant. C'est impressionnant, voilà. Enfin. Fort. Je trouve vraiment aucun zombie. J'ai tué. Non, mais c'est pas ça, vient de dire. Oh, c'est X Rouge qui a tué le moins de zombies. Oh la merde. Oh, t'es une merde. Oh la petite bille. Fais ta gueule. Gros relou. Mais je. Merde. Le mec nous invite, tu tues moins de zombies que nous. Bon, écoutez, les gars, d'habitude, j'ai pas l'habitude de recevoir 3 personnes. Je joue avec une vieille manette câblée. Alors vous allez pas me casser les couilles. C'est drôle que quand il est 3 personnes qui sont avec lui, il a pas la bitruite, quoi. Moi, ça m'étonne. Ça t'étonne d'avoir la vitrine? Ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous arriviez à faire des blagues aussi. C'est ça. Ah, Choupi, tu voulais le caler, donc je vais te tendre un petit peu la perche. On a joué vite fait, vu que depuis, il y a le mode Uprising qui est sorti. Oh oui! Il y avait. Mob of the Dead, le nouveau mode où est-ce que l'on pouvait imiter Claude François à certains moments du jeu. En fait, tu me tends la perche, mais tu fais la blague. Non, pas forcément. Est-ce que j'ai dit ce que faisait Claude François? Bon, en fait, dans le nouveau mode qui s'appelle donc. Mob of the Dead. Voilà. On peut aller dans le trépas. On peut passer dans le trépas, c'est-à-dire on sélectionne. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait ça, moi. Oui, il y a le save, oui, pardon, je l'ai pas dit. Putain, mais pourquoi tu ne dis pas qu'il y a le save? C'est vrai, je vous rappelle, on n'a pas le son en fait, et moi je suis quand même con, je l'ai pas dit. Bah là, j'entends un petit peu. Oui, donc voilà, on doit passer dans le trépas. Donc du coup. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, voilà. Donc on ressent ce qu'a senti avec le transfert. Ah, de mieux en mieux. Là, ça va, là, faudrait que tes fonds sonores, c'est du plouf là. Moi je vous dis qu'après aussi, dans la. C'était un petit peu un signe en fait pour Claude François, moi je vous le dis. Il faisait du disco, il s'est mis à l'électro. Du coup. Oh merde, je suis là. C'était la blague du jour. Elle était tellement pourrie ta blague que ta mémoire. Putain. Je lui ai dit, moi c'est pas ma spécialité, moi. Il fallait pas que j'ouvre une porte. Oh oui, il y a une caisse. Putain, mais casse tout.
Non mais je parle pas de toi, Choupito, j'ai la question. Voilà, tous les 100 zombies tués, bon ça revient à 99, il faut se mettre en erreur devant les portes d'un bus pour activer quelque chose, je sais plus trop quoi. Tu veux que j'ouvre cette porte, X Rouge ? Ouais, vas-y, fais-le. Oh là là, tu me rendras un bon dessert. Ouais, le jardin aussi, ce serait sympa. On n'est pas allé dans le garage. Et avec 80, j'ai du mal à ouvrir la porte du jardin, je comprends pas. Faudra attendre un thé qui ouvre l'autre porte. Moi je me mets là, attention. Voilà, toujours attendre. Mais va dans l'autre maison au lieu de. Mais non, mais l'autre maison déjà. Ouais. Dans le garage, il n'y a rien qui est tombé. C'est où, Tu ouvres la porte du fond, ouais. Ah, je reçois des textos, j'aimerais mais comme je suis très professionnel, je réponds. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est tombé près du barbecue, des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose? Rien du tout, il n'y a que dalle. Moi, j'aimerais bien avoir le pack-up punch qui tombe, là, même si j'ai que 460 et que ça coûte pas. Tu sais que c'est déjà tombé, moi je l'ai eu à la vague 2 quand j'étais en bio. Ouais, mais bon, après voilà. Il ne me servait absolument à rien, mais je n'avais pas Samy la vague 2. Qu'est-ce que j'allais te dire? Tu n'as pas Samy la vague 2? Ah, mais t'es un bouffon. Bon, alors voyons. Vague 7, les gars, franchement, ça va bien. Petite précision quand même sur le mode zombie parce qu'on en parle. Newton, bon, voilà, je l'aime bien parce que c'est une petite carte. On retrouve un petit peu le style à la Nudge Darren Totten parce qu'on connaissait bien les cartes assez petites. La carte est disponible sur le PS Store actuellement pour la modique somme de 3,99€. Et on précise qu'il a même pas d'action Sony pour dire ça. D'action Sony? Ouais, il a même pas d'argent, disons que ça a 3,99€. Ouais, c'est ça, voilà. Je ne gagne absolument rien, donc vous voyez, c'est vraiment en tant que grand fan que je fais ça. Kiffez-moi tous. Non, je déconne. Je ne sais pas qui j'ai sauvé la vie. C'est à moi, mais tu m'as pas sauvé la vie, tu m'as piqué un zombie. Tu m'as volé, ma victime. C'est combien le. Le, dis-moi. Le Juggernaut 2500. Oui, pour ceux qui. Il n'y a pas assez argent, par favor. Il y a eu quelque chose. Mais non, ah oui, c'est mon mec qui retient sa respiration. Ça, c'est vraiment trop les quoi. C'est abusé, t'as vu. Ils l'ont vraiment chié. Vas-y, refais. Attends. Voilà, là il a fait par le nez, bien évidemment. Ouais, voilà, attends. Je me fais une ride de coke, vas-y. Une ride de coke, d'accord. Donc la coke, c'est féminin. Oui, c'est féminin. Putain, mais le rail, c'est pas féminin, je crois. Oui, c'est moi. Un rail de coq et le café. Elle est un peu petite pour 3 cette carte peut-être. On se rentre un peu dedans depuis tout à l'heure. C'est vrai. En plus on est en combinaison de décontaminateurs. C'est un petit peu chiant. J'entends le runner, quelqu'un sait où il est? Oui. Oui le last. Oui, à chaque fois qu'il reste un seul zombie, il y a le last qui commence à courir. Ouais, tu peux éviter de tuer en 360 qu'on abrège un peu là-dessus. Bon d'accord. Voilà. Mais non. Non mais t'es lent. Non mais je l'ai raté parce qu'en fait il partait vers X Rouge et du coup bah il a dévié de sa trajectoire et. Oui voilà. Non mais toujours des excuses parce que t'es mauvais. Hein. Oui. Et comme je précise, on est vague 8. C'est bien. On avance. Franchement, je pensais pas qu'on allait atteindre la vague 8 parce qu'on est 3, c'est quand même un mode zombie que je trouve vraiment assez chaud comparé aux autres. Ouais. Tu l'as bien remarqué, tu oubliais en fait. Ben, j'ai bien remarqué, j'ai surtout pas joué aux autres. Mais tu nous as jamais vu jouer aux autres hein. Si, mais je m'endors en général. J'ai cru reconnaître le son de l'alarme. Oui, alors voilà, à chaque fois qu'il y a une alarme, parce que voilà, nous on n'a pas. C'est pour ça qu'on a quitté le son. Je me fais taper. Et donc il y a une météorite qui sort de ce champignon atomique et qui va nous caler un atout quelque part quand il va tomber. Hop là, ok, il est tombé côté de maison Maison, la première qu'on a ouverte, les gars. On n'a plus qu'à y aller et regarder ce qui se passe. C'est quoi qui est tombé? Ben je sais pas, je vais aller voir. Non, mais messieurs, nous avons le double tap. Oh, génial. Qui c'est qui avait un piton? Moi, mais je l'ai changé pour prendre mon sniper. Que boulet. Ouais, parce que le double tap est très très intéressant, comme vous pouvez le voir, voilà. Je veux pas mourir. Le mec de NT il va mourir d'une aérophagie à force de retenir son surprise. Non, c'est clair. Là il va avoir le bif, mon pauvre, je laisse tomber. J'ai mal au ventre, j'ai envie de péter. Non, mais à force de. Ouh, ça va mieux, mais tu l'as pas du gonneau. Il est fait par le nez, tu sais. Putain, en plus, double tap c'est 3000, non? Si je me rappelle. 2000. 3000 c'est le speed cola. Ah oui, c'est vrai. On rappelle en version française le Juggernaut qui est. Le mastodonte. Le speed cola qui est. Le tour de passe-passe. Le Quick Revive qui est. Le Revivite. Ouais. La résurrection rapide, ouais, voilà. Et le Double Tap qui est le Double Tap. Et nous avons le Pack a Punch qui en français est le Pack a Punch. Tout simplement. Le Pack a Punch. Le Pack a Punch. Tu dis que c'est un truc d'alcoolique, tu sors. Ah, je suis désolé. C'est toi qui l'as sorti juste avant. Oui, mais je la sors quand il n'y a personne qui écoute. Hein. D'accord, mais ça y est, tu l'as moins reconnu. Tard. Allez, on tape. C'est la chumasse que tu dis. C'est la chumasse. C'est la chumasse, je n'arrive pas avec toi. Non mais me lancez pas. Me lancez pas. Comment il m'a se derrière celui-là? Me lancez pas. On ne te lance pas, c'est bon. Voilà.
tu peux faire. Mais puisque c'est ça, j'ai le double. Il me faut quand même le Juggernaut. Vous l'avez, mais NT il peut aller se l'acheter aussi. De quoi? Le double tap. Je m'en fous de ton double tap, mec, je joue au sniper. Mais t'as l'équivalent de 2 balles de sniper dans le. Ah, bah c'est génial! Je vais pouvoir tirer 2 fois plus vite! Non, pas forcément. Mais je tire en une balle pour l'instant, donc j'ai pas. Mais ouais, mais ça te fait les dégâts de 2 balles en fait. Ouais, du coup, ça sert. Bah, ça rend le sniper plus puissant, quoi. Mais non, ça. Mais non, c'est juste que je tire plus vite, c'est la cadence de tir, ça augmente pas la puissance des balles, non. Non, mais ça fait l'équivalent de 2 balles, donc voilà. Oh! Hey, don't break me my models, ok? C'est sa vidéo, ok? C'est ma vidéo, je rentre en manie. Ah merde, qui c'est qui me court après, putain? Mais c'est toi là! Mais dans ta zone, mais d'où t'as une zone toi? Ouais, mais. C'est un rouge, pourquoi lui il a droit à une zone et pas moi? C'est un zonard. Non, mais va falloir vraiment que je t'arrête avec tes blagues par contre. Non, mais j'essaie un petit peu de faire de l'humour, c'est toujours vous qui mettez l'ambiance hein. Mais c'est parce que nous on est drôle! Ah, c'est pour ça! En fait, je suis une grosse merde, d'accord! C'est ça, d'ailleurs, tu vas me toucher les gars. Oui, c'est ça, t'es bien aussi. Comment il a insulté ses invités? Non, mais voilà. C'est vraiment irrespectueux de sa part. Bien sûr, ok. Tu veux que je mette en ligne la vidéo que j'ai pas mis de FIFA? Hein? Il y a pas de soucis. Tu veux avoir des problèmes ou quoi? C'est moi qui vais avoir des problèmes, oui, ça peut être. Je crois même que YouTube aurait interdit que je me suis mis qu'il y avait des propos, plein de choses. Tu vois. Vidéo qui ne viendra pas, demandez-moi alors un MP si vous la voulez, mais franchement, j'en suis pas fier. Ah, moi j'en suis très très fier. On a beaucoup rigolé, il y a plein de mots sur le nom. Instant kill, instant kill. Ça fait longtemps qu'il y a l'instant kill là. Non, mais non, même chose pour mon sniper, ça dit donc. Oui, mais pour ton cut, oui. Bon, mais il m'énerve, il prend ma zone. Hein. Like, what the hell? C'est ma zone. C'est mon yop. Allez, non mais. Chips. Voilà. Mm-hmm. Ouais. Where is the last? J'entends la minorité ethnique crier. Tu parles des zombies? Oui, oui. Bien sûr, toujours. Toujours. Bon, ta gueule, qui pue et qui court là. Ta gueule. Ok, on va arrêter. Où est le Jugger en fait? Il était où? Oui, côté Woods. Est-ce que t'as cherché un peu? Ah, il est là! Je devrais peut-être descendre. Tu sais qui est passé, qui a mis un coup de cut? Moi. Franchement, quoi. Ah, Qu'est-ce que t'as? Les gars, on est vague 10. Aucun autre atout est tombé. Vous devriez aller vérifier. Je rappelle encore qu'on n'a pas de son. Ouais, putain, à cause de ces putain de gens qui veulent nous regarder jouer, ils ont rien d'autre à foutre de leur journée, les gens. Non, mais tu veux que je les emmerde ou quoi? Non, non. Et vous voyez, vous le regardez sur YouTube, nous on le voit toute la journée et. Franchement, vous perdez rien, hein. On peut plus le voir sur YouTube, du coup. Putain, y'a vraiment rien d'autre qui est tombé. On se fait vraiment sodomiser. À sec avec du grain de bleu. La vaseline c'est pour les PDM, moi je vais à sec avec Xavier. C'est qui chante ça? C'est une petite circulaire. Ah oui, c'est ça. Bon. Ah ça y est, 2005. Enfin je vais pouvoir boire un coup. Ah oh, putain, c'est vrai que moi j'ai assez pour me payer le. Vous avez 4000 les gars, putain, je suis vraiment à la ramasse. Oh j'ai pauvre. J'ai 460. Mais j'ai 2 atouts. Ouais, ah, bien que le pack approche, sorte. Il sort pas déjà, il tombe. Ouais, il tombe, excuse-moi. Qu'est-ce merci. Ouais. Ah, c'est dommage que vous n'ayez pas rigolé quoi. Oui! Un truc de Claude François quoi, parce que j'en avais d'autres après. Genre, ouais, on était vite mis au courant. On a juste pas rigolé. Il aurait continué sinon. Mais faut pas le relancer. Oh putain! Bon, je tente tout pour le tout. Hop là! C'est normal, j'ai pas les fusils battus les hôtels. Allez! On continue! Il y a de quoi péter des câbles. Attention, oh, mesdames et messieurs, dans un instant. Oh, le Galil. Enfin, une arme de bonhomme. Qui, une fois améliorée, est bien. Bah, ça y est, en plus, il y a le double tap. Bon, Boogie, tu voyais le pack à punch quelque part. Hein. Le pack à punch? Ouais, le pack à punch. Le chac à punch. Parce que là. Putain, je suis mauvais. Ça m'énerve d'être mauvais comme ça. Oh putain, c'est le pack à punch qui est tombé devant moi. Oh oui. C'est Dieu qui m'a choisi. Regarde, X rouge, voilà pour toi. Mais je veux que 1300. Ne t'enflamme pas, c'est un jeu vidéo. Ouais. Oui, c'est ça. Attends, Dieu arrive dans le championnat atomique, c'est bien connu. Il lâche des caisses et après ça tombe. Oh putain. Putain. Voilà. Bah, attendez, les gars, pour une fois que je déconne dans mes vidéos, sérieusement, vous pourriez au moins un peu compatir. Je vais me mettre à pleurer. On aurait dû inviter Florentine. Ah, mais c'est vrai qu'avec la répartie qu'il a, cet homme-là. Non, mais le suspect, quand même, après il va débarquer, il va plus se sentir pissé là. C'est sûr. Ouais. C'est vrai, j'ai de la répartie. Ouais. Du coup, c'est chiant quoi. Ah, y'a quelqu'un qui est passé à 200, ça a senti l'amélioration? Non. Putain, mais j'en ai trop marre de. Vas-y, prends-le, c'est de la bonne, regarde, putain, je jouerai. Ouais,
mais c'est toi qui filmes de la bonne pour jouer. Ah, regarde, 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 Titi, on est vague. On est vague 2. J'avais promis que quand on ferait la vidéo, je ferais cette vague. Voilà. J'ai fait. Mais en plus, non, tu peux arrêter de jouer. À la base, le délire. Merde, j'ai jeté une grenade du coup. À la base, le délire, c'est que tu as vraiment cru. Mais oui, je comprenais pas pourquoi il y avait marqué vague 2 alors que ça faisait 20 minutes qu'on jouait. Excuse-moi, je me connais pas ça, la vague 2. C'est vrai que tu m'as bien fait. Dans la vie privée, je t'appelle pas X-Pro, je suis pas sûr. C'est vrai. Il y a la mort instantanée, comme. Au coup, je t'intéresse quelqu'un. Ah oui, il y a les stuns qui veulent. Autant pour. Vas-y, je les ken en quick shot. En quick shot. Quick shot. Quick scope, ouais, voilà. Il y a les doubles points aussi. Évidemment, c'est moi qui ramasse tout parce que je suis en PGM. Bah oui, forcément. C'est le premier truc qui m'a mis à l'esprit quand j'ai pensé à toi, PGM. Ouais. On sait tous que NT c'est un groupe PGM. Et ouais. Oh putain, pourquoi? Hein? Il est tellement fan de lui qu'il s'est tatoué sur le bout de ses initiales. Je suis tellement fan de lui que moi aussi je me suis tatoué sur le bout de ses initiales. Ben y en a, ils sont originaux aussi, tu vois. Ils font genre des tribales, des trucs comme ça. Ça, c'est ça sur la bonne personnalité. Je ne me sens pas concerné. Tu devrais! Non, mais oui. Connard! Non, mais ça déborde d'originalité, excuse-moi. Les gars, pourquoi je suis premier en nombre de zombies tués? C'est pas normal ça. Parce que je joue au sniper peut-être. Les gars, je suis premier, moi, monsieur Chupito. Chupito, qui ne s'est pas connecté sur son véritable compte depuis 2 ans. On regarde dernière connexion, plus de 2 ans, c'est magnifique. Il lit plus de Blu-ray que de jeux sur sa console, du coup, c'est sa seule console en France qui ne lit que les Blu-ray et pas les jeux de Play. Je suis vraiment. Voyons. Ah ouais, ça c'est... Ah ouais, 94, 125, 126 X-Rouge 3, ouais, Chopito quoi. Même de 1 kill. Je préfère encore ça. Mon dieu, c'est une bataille déchaînée qui va se livrer entre... J'ai envie d'améliorer ça. L'écran de droite et l'écran du bas. Oui, rappelez que l'écran du bas, alors du coup, c'est toi, Chopi, si j'ai bien compris, et MT à droite. T'as bien compris. C'est ça, voilà. C'est la première fois que t'as eu, tu comprends bien. Oh merci, je me sens trop privilégié. Bon, on va arrêter. Bref. Oh, ça y est, on va arrêter du coup de déconner. Voilà, oh putain, une vidéo super chiante. Donc, putain. Je peux pas tomber sur un fusil d'assaut classique. On est à combien à peu près de minutes de vidéo? On est à 22. Ouais, je précise parce que voilà, j'évite des fois. Enfin, je vais couper la vidéo à un moment parce que pour qu'elle puisse se uploader plus vite. Je me limite à peu près à 30 minutes, donc on va. Moi, je viens de tomber 2 fois d'affilée sur cette merde là. C'est quoi déjà? C'est la SMR. Eh mais oh! Ah, le Cap 40. Pas mal. Il est trop bien. Il a pété un câble. Il est trop bien, les gars. Ah, moi, je m'en vous. Ah! Là oui! Tiens, connard! Calme-toi. Bon, oui, à savoir que la M27 est l'arme de prédilection de Chupito. Oui! C'est mon arme préférée, mais j'ai tellement de choum que chaque fois que je tombe dessus, on meurt après. Donc, vous pouvez bien mettre la vidéo. La fin de la vidéo arrive. Merci d'avoir regardé et bonne soirée. A ciao. Arrête, ils vont partir. Déjà qu'il n'y a pas grand chose qui les retient, là. J'avoue. Qui c'est qui vient d'aider, hein? C'est moi. Salut! Et regarde. Ah, là, j'ai plus. Hop là, entre ça. Et ça, j'ai plus besoin de faire des caisses. J'ai quoi d'autre? J'ai la arme, la Galil, bientôt l'amélioration. Bon, mais ça va, franchement, je pensais qu'en plus on avait assez mal démarré, les gars, quand même. Je vais pas dire. Non, c'est qu'une impression, ça. Arrête, me cherche pas, sinon je jette un singe qui sert à Harry. Oh, purée, cette menace. En même temps, j'ai des menaces pourries. Mais celle-là. Mais celle-là, balancer un singe qui sert à rien. Ah là là. On a entendu les menaces pourries et quoi ça. Choupi, on installe ça. Non, par contre, tes amis qui se connectent là, ça va vraiment m'énerver en fait. Parce que ça me bouffe la moitié de l'écran. Qui c'est qui prévient pas encore quand il prend un save? Ah, ouais. Ça j'avais plus besoin, mais. C'est pas moi. Qui c'est qui améliore pendant que je voulais améliorer? Devine. Qui c'est qui a pas assez de tout pour améliorer? Hey, c'est moi. Ah oui. Oh merde! Il est en train de m'achoper. Ah, j'en fais une au casque juste au coup que je peux tomber ça. Ah ouais, ça fait du bien. Goûte au galil purificateur. C'est quoi ça? Les gars, j'ai un petit lapin en viseur. C'est quoi cette arme de PD? C'est trop cute. Ouais, non, déjà tu redis un truc dans le genre tu sors. De quoi? C'est kawaii. Oh putain. Bon, je vais rentrer chez moi. Merci de m'avoir invité. Elle est tellement swag cette arme. Attention. Il y a trop de swag dans mon arme, j'ai un petit lapin. Instant kill. Putain, mais Jude.
Merde là! Ah oui. Regarde ça! Dédicace à lui. Instant non, kill, non, je pas répète. Dédicace à lui. Je répète. Je répète Instant Kill, Tango Charlie. Est-ce que vous avez reçu l'information régulière en Instant Kill? Ça y est, Instant Kill qui va bientôt se finir. Ah non, en fait. Pourquoi j'ai dit ça? Rien de mal! Tu dis tout le temps de la merde! D'accord, ok. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait choper une amour? Une ammo? Une ammo? Oui. Ammo communément, en gros, les munitions au max, pour ceux qui ne savent pas. Oui, alors on dit généralement instant kill pour récupérer une arme. Pour la mort instantanée, les ammo, les munitions au max, la nuke pour la bombe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, les gars? Il y a le sail pour les caisses à doubles. Je croise vraiment jamais des zombies, moi. C'est alors que la caisse coûte... Parce que c'était une fin de vague, je pense. La caisse coûte combien? Là, c'est le début de vague. NT? 950. Ouais, c'est ça. Toi, tu me demandes à moi si tu préfères MT apparemment. Non, mais il ne parle pas beaucoup. Tu vois, j'essaie de faire parler tout le monde. Ça veut dire moi je parle trop, c'est ça? Non, à peine. Aïe. Non, mais c'est bien. Ah, moi, les seuls zombies que j'ai, c'est des runners parfois. Ouais, moi, j'ai un capot. Bah, en même temps. Ah en même temps, par contre, crevez pas. Moi, en même temps, j'ai envie de dire, on est vague 13. C'est normal qu'ils se mettent un peu à courir, quoi. Eh oui, c'est vrai, vague 13. Ah, je vais bien te laisser mourir, toi. D'accord, bien sûr. Mais t'es ultra bon en plus. Tu touches du premier coup à chaque fois. Pourquoi tu parles là? Je parle de toi. NT avec Monsieur Taux de Précision. Franchement, tu regarderas la vidéo. Je vais crever. Ah non, c'est bon. C'était qu'une impression. Avec l'arme que tu as, n'empêche, tu te retournes, tu mettrais n'importe où. C'est vrai que le Gali est méga safe. Hein. Le Gali est assez sympa dans le mode zombie. Notamment aussi la même. Max Amo rechargé. Vous avez pas eu le temps de recharger, c'est dommage. Quel fou. On voit que Night Terror a vraiment l'esprit équipe. Non, mais moi j'ai eu le temps de recharger, moi ça me va. Hein. Ça me suffit. Ah, j'avais cru un peu. Au fait, il faudrait peut-être checker pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui sont tombés. On a pas besoin des autres. Oh, enculé, mais ce monde, j'avais pas calculé qu'il y avait tout ce monde là qui me suivait, moi. Ah, ben... Regarde ça. Moi je suis un peu deck parce que vous l'entendrez dans la vidéo, mais moi j'entends pas le bruit de mon pistolet laser, alors j'adore ce. Ah, on se croirait dans les tontons fingers. La nuke! Je vais quand même péter les zombies! Ah. Vous êtes encore à 5000, vous voulez pas améliorer votre secondaire? Non, ma secondaire. Moi j'ai même pas amélioré ma secondaire, principale. C'est ça. La secondaire c'est le pistolet? Ouais, mais je vais l'améliorer, donc le vide histoire qu'il serve à quelque chose quoi. Va faire du joli vert sur l'écran. Attends, la première amélioration redonne toutes les balles, la seconde non, je ne crois pas, ça va changer le réticule. J'en ai aucune idée. Ouais, si je me rappelle bien, c'est ça. Ou la seconde donne des trucs et ça part de la troisième qui en a plus. J'en ai aucune idée. Ouais. Oui, car il est possible d'améliorer plusieurs fois ses armes pour ceux qui sont restés à les anciens modes zombies. Aux anciens modes zombies. À les anciens. Bref. Donc, allez Attends, il faut qu'on continue à parler histoire que tu perdes le fil là. Tu vois, là, tu sais même plus de quoi tu parlais. Et donc, le KFC m'a donné mal au bide. Tout à fait. Donc, je disais les améliorations d'armes, bide dans mon gueule, on pouvait les améliorer. Voilà. On peut les améliorer plusieurs fois, mais c'est uniquement pour changer le réticule. Vous êtes ridicule, les gars. Oh là là, mais vous vraiment. Ce n'était pas une blague, je viens de m'en rendre compte à l'instant. Ce n'était pas une blague. Tu vois, tu veux tellement me ruiner mon truc que tu cherches la petite bête, quoi, tu vois. Comme ta bite. La petite bête. Qu'est-ce qu'il veut le minimum? Alors, il y a quelqu'un d'autre dans cette pièce qui ne parle pas. Mais tu laisses ma copine tranquille. Mais qui n'en pense pas moins. N'est-ce pas? Vas-y, parle. Parle qu'on entende le doucement de ta voix. Laisse-la tranquille. Parle! Laisse-la tranquille. En même temps, il n'a pas de copine, hein, c'est un gamer. Voilà, vous savez très bien que les geeks n'ont pas de copine. Ça n'existe pas. Non, mais j'ai encore moins les filles qui jouent aux jeux vidéo, tu vois, ça n'existe pas. Bon, ça n'existe pas. Attends, ce serait vraiment trouvé la copine parfaite d'une fille qui joue à. Ah, wow, la copine parfaite. Ouais, il faut encore qu'elle fasse des pipes, quoi. Mais ta gueule. Mais Samantha. Quoi? On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Bon les gars, on va lui demander par MP quoi. On va les gars, à 500 abonnés, il dit. Voilà. Ça tu vois, demain j'aurai 500 abonnés. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Bon les gars, vous avez laissé. Il y a 10 000 abonnés, vous avez la photo en petite tenue et à 20 000 abonnés. Voilà. Faut en petite tenue. Alors en attendant, tu vois, au pire NT là, tu vois, il se la joue. Mais j'ai une photo assez hoche de NT que je pourrais publier à n'importe quel moment, d'accord? Ouais, On aurait pu la publier sur Brazzers Rencontre, je pense que t'aurais fait 2-3 gays avec toi. Ouais, mais personne ne peut savoir si c'est vraiment moi ou pas. Ouais, j'ai qu'à le certifier, hein, écoute. Ouais, regarde, tu viens de le dire. Voilà. Mais voilà, et après tu vas chercher n'importe quelle photo sur internet et tu dis que c'est moi, tu sais, voilà.
On peut pas savoir, putain, mais j'ai pu virer ton compte Facebook à côté, mais juste pour voir ça. Voilà, tout à fait. Les gens, ils connaissent mon prénom. L'avantage, c'est que t'as zéro photo de moi. Ça, voilà. Oui, j'en ai une très belle, toi aussi. Tu la portes. Tu portes très bien le juste au corps quadrillé. Tu vois ce que je veux dire. Allez, bouffe dans son arrière. Allez. Non, désolé, la fiche, t'es en train de dire, que tous tes potes, c'est des psychopathes. C'est ça, voilà. Aucun de ces photos sont. Non, désolé. Mais c'est normal, tu fais rien de drôle. Oui. Faut pas. C'est ça. Un homme sain. Un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Ça m'a fait frisson. Vous voyez quand on dit les psychopathes, vous l'entendez par vous-même. Bon, moi je vais aller checker s'il n'y a pas d'autres atouts parce que quand même vague 15, ça me... J'aimerais bien avoir le truc pour recharger vague 15, oui. 14 clignotes. Tu veux sûrement parler du Spicola. Ah, exactement, je ne trouvais plus le mot. Bon, les gars, juste 2 secondes, je mets pause. Parce qu'on est arrivé à peu près une 30aine de minutes, donc je vais couper. On se retrouve de suite après. De suite.